troisième jeu de la soirée, enfin de la soirée de l'heure, c'est quand même bien, hein. On est plutôt une bonne rentabilité. Ah, tu pars François, d'accord, bah écoute, bon appétit à toi alors. Donc on va lancer la mise, le petit point course Sayaway, tac, Steam. Steam, allez Steam, t'es où? Ah, relance-toi s'il te plaît. On va prendre le petit point déjà, on va faire le tracking, on va commencer par le tracking. Hop, on va passer donc là-dessus. Voilà. Voilà, mise à jour il y a 32 minutes. Formidable. Donc, ça donne ça. Météo au temps T actuel. On est là. Je suis ici. Je suis juste là. Donc je suis plutôt bien placé. Je suis 6ème. Hein. J'ai bien remonté hein, depuis en deux jours là. On était tombé 20ème. À cause du passage en cyclone, et là on accélère méchamment, et tous ceux qui sont là ils sont bloqués. Hein, la route nord, ça y est, la route nord ne paye plus. Ils avaient commencé à accélérer pas mal, et puis là ils sont complètement freinés. Ils ont le vent dans le nez, ils ont presque pas d'ailleurs, et puis ils vont encore être bloqués plus tard. Si on regarde la météo à venir, hein, demain matin 9h, ils ont encore toute une bande ici, là ils vont être pas mal bloqués. Donc je crois que c'est fichu pour eux. Si ça se refermait pas ici, ils auraient peut-être eu encore une chance de rester dans le coup, mais là je crois que c'est mort pour eux. Hein, clairement la zone s'étend de plus en plus. Et nous on va aller vite. On va très vite en ce moment. Tac, on est là. Donc je suis ici. Je suis talonné par ce bateau-là qui me talonne depuis le début de la course. Hein. Depuis le départ, on se tire la bourre. Même depuis la manche, hein, vraiment la manche, hein, vraiment départ. Alors cette nuit, il m'est passé devant cette nuit. Et ce matin, je l'ai rebouffé, hein, tout simplement. Parce que j'en apprends encore sur le jeu. Hein, ne connaissant pas parfaitement mon bateau, hein, je ne connais pas encore les pleines capacités de mon bateau. Je ne connais pas ses courbes de vitesse. Et je me suis rendu compte finalement qu'il y avait un angle que je n'exploitais pas et qui est parfait en ce moment, c'est l'angle 160 au vent. C'est-à-dire vraiment quasiment dans le dos. Et là, on est hyper rapide. Hein, je tourne avec 17 nœuds de vent, je tourne à 15 nœuds de moyenne à peu près. J'ai fait des pointes avec la rafale, j'ai fait des pointes à 18-19 nœuds. Alors que avant, je me bridais avec un angle de 140-145 maxi, donc en plus, j'étais même pas sur une route directe. Et je n'avançais qu'à 12-13 nœuds. Donc là, maintenant, je fais une route relativement directe. Et puis, ça envoie. Tout simplement, ça envoie. Et ça fait plaisir. Donc j'ai pu repasser devant. Je suis donc 6ème actuellement. C'est cool. C'est cool. Et on va essayer de continuer à grappiller des places. Hein, puisque ceux qui sont ici vont être complètement ralentis. Hein. Il y en a dans le groupe de tête. Il y a le 3ème qui est là. Le 2ème. Le premier est ici, hein, donc c'est une bonne carotte, même s'il est vraiment très très devant. Mais bon, on va essayer d'aller gratter pas le podium, ça va être compliqué le podium peut-être, mais le top 5 ce serait cool, vraiment cool. Gardez le top 5. GDX72, un an. Ah, le follow, oui. Bonjour à toi, enfin bonsoir à toi. Un an, oh, ça passe vite. Donc voilà, ça donne ça. On va aller voir le bateau maintenant, voir les réglages du bateau, parce que j'ai pas eu le temps de le gérer non plus avant de lancer le stream de tout à l'heure. Tac, ouf, on lance ça. Oui, je joue à ça, hein. Il me fait n'importe quoi. On va pas faire de routage, hein, parce que le routage est à peu près, il a pas trop bougé depuis les autres jours, depuis hier. On va juste faire un petit point, un petit réglage bateau et c'est tout quoi. Alors il y a un an, c'était le 24 octobre 2017. Alors 24 octobre, oulala, ça éclabousse là, il y a des embruns. 24 octobre 2017, ça devait être du Tarkov, hein. Je sais pas pourquoi, mais ça devait être du Tarkov. J'ai plus, je sais
J'en faisais beaucoup à l'époque. Alors, je suis ici. Tac, on va remettre un point là. C'est qui lui? Voilà, c'est celui qui me colle au derrière. Hop, on va se mettre dans le bateau. On va regarder les réglages des voiles. Donc j'ai un angle de 163 au vent, donc je suis bien. Si on regarde la carte, ce sera peut-être même mieux, hein, pour c'est plus parlant. On met ça. Tac, voilà. Donc, on est là. La route directe, c'est le trait ici. Je suis sur une route quasi directe. Hein. Je vais peut-être redescendre. Il faut que je refasse des routages dans la soirée, mais je pense que je vais redescendre légèrement au sud pour aller prendre des vents un peu plus forts. Parce qu'ici, on va avoir du fait du système météo ici, hein, l'anticyclone qui est là. On a un vent qui sera plus faible par ici. Donc je pense que je vais remonter, je vais redescendre très légèrement au sud pour reprendre un peu plus de vent et continuer une route quasi directe. Ce sera je pense une bonne chose puisque le routage c'est ce qui m'indique à peu près hein. Je relance pas maintenant. On fera un point routage complet demain je pense. Ah non bah non demain j'ai dit que je streamais pas demain. Oh bon bah tant pis, on verra ce que je fais. Je ferai peut-être un point sur le curse ou je ferai une vidéo en off que je mettrai sur YouTube. Je sais pas, on verra. Donc voilà, ça fait que donc on avance à 11 nœuds, c'est pas énorme. On va essayer de régler un peu mieux. Réglage. On va essayer de d'optimiser un peu tout ça. Tac. Tac, attaque. La grand voile, 18 nœuds de vent, il va falloir qu'on. Hop. On a une chute qui est pas trop mal. Voilà. Bizarre, c'est qu'ils n'utilisent pas mes deux foils. Pourquoi? Pourquoi? Normalement, à cet angle-là, deux foils sont sortis. C'est curieux. Qu'est-ce qu'il me fait? Quoi? Non, on ne tourne pas trop, oh là là, mais. Oh, l'inertie dans la barre. Ah, j'ai mes deux foils de sortie, ça devrait être un peu mieux comme ça. Voilà, là on accélère. On a le meilleur rendement là. Il faut que les deux foils soient sortis quand on est vent arrière pour que ça tourne mieux. Donc on va régler la voile. Tac. Voilà, on accélère 14 nœuds. Hop, le Geneker il est pas bien réglé. On va aller se mettre là pour régler le Geneker. Hook. Tac, voilà, on avance à 14,7 pour 17 nœuds de vent, donc c'est pas trop mal, hein, vraiment. Comme ça, dans les rafales, on va pouvoir accélérer encore un peu à 16-17 peut-être en pointe. Sachant qu'il y a aussi l'effet des vagues, hein, les vagues sont prises en compte dans le jeu, les surfs dans les vagues sont comptés. Donc on accélère vraiment pour les périodes de surf. Voilà, il y a un petit bug graphique, le bateau déjauge complètement. Hein. Là, on n'a même pas le fond de coque qui touche. Ça, c'est le problème d'affichage. Il fait une espèce d'effet de vague bizarre sous le bateau, ce qui fait qu'il considère que le bateau ne touche même plus l'eau. Bon. Pourquoi pas. C'est un petit bug graphique, mais bon. C'est pas grave. Voilà. Donc, on continue d'avancer tranquillement. On est là, 13,5 pour 16,5 devant. Donc, c'est plutôt sympa. On surfe sur la Grande Houle, direction la Guadeloupe. La Guadeloupe, aussi la Guadeloupe. Simplement la Guadeloupe.
j'allais dire une bêtise. Pas gros changement à venir, je pense, demain. On va peut-être, je suis peut-être tirer un bord ce soir pour reprendre là, et puis après repartir vers un plein ouest, histoire de retoucher un du vent un peu plus fort. Et puis c'est tout, simplement. Voilà. On va s'arrêter là, hein. J'ai pas grand chose à dire dessus. J'ai dit tout à l'heure, Virtual Regatta, je suis arrivé hier soir, vers 10h30, 11h. J'ai terminé à je sais plus quelle place, 5000 ou pas 5000, 35000 je crois, un truc comme ça, je sais plus, 27, j'en sais, oh, c'est pas important de toute façon, je faisais pas réellement cette course, donc ça n'a pas d'importance, bref. Sur ce, moi je vais vous souhaiter donc un bon appétit, un bon début de soirée. On se retrouve 20h30 si vous le souhaitez pour du Fallout 76, hein, qui est sorti aujourd'hui. En solo, je le ferai pas en groupe, je le ferai en solo. Donc voilà, donc rendez-vous 20h30 si vous le souhaitez pour faire ça ensemble. Voilà, pof, on fait ça. Je vous souhaite donc un bon appétit, je le répète. Encore désolé pour le programme qui a dû changer parce que la mise à jour des stalkers, ça n'est toujours pas sorti. Hein, il est 19h passé et elle n'est toujours pas là. On fera ça vendredi si c'est possible, hein, si elle est sortie. Normalement, ça devrait être le cas. C'est planifié pour aujourd'hui. Et puis c'est tout. Simplement. Voilà. Bon, eh bien, bonne app. Merci, désolé. Et merci pour les follow. Et à bientôt.